elle chante pas faux, hein. Un peu, ben ouais, concernant les dévers, ben on sent plus rien. Un petit gravillon, on sent plus rien. Le pneu il chante, on entend sa machine. Alors, me voici donc au monastère Bénédiction à Cheveton. Et voilà, il est enfin monté. Le pneu CST 186, donc pneu off-road, hein, à crampons. J'ai fait quelques kilomètres, franchement les sensations, c'est terrible quoi. Alors il faut quand même savoir une chose, hein, pour ceux qui seraient intéressés, c'est que moi je viens d'un pneu Pirelli Scooter Angel, qui était parfait pour la route. Je pouvais attaquer des virages, des ronds-points, vraiment au taquet, façon motard. Bah, je joue à terre, mais on en était pas loin quand même. Et c'était super, je vais laisser passer la voiture. Voilà, et donc là c'est vrai que maintenant que j'ai ce pneu là, je m'aperçois quand même que dès que je veux attaquer un virage un peu trop serré, très sec, le pneu a tendance à plonger. Ouais, il est parfait pour. Donc les virages, ils sont à prendre quand même avec des pincettes. Il faut y aller vraiment super smooth, ralentir son allure, essayer de ne pas trop plonger parce que bon, sinon il faut encore rattraper la roue. Ça m'est arrivé hier dès les premiers tours. Donc vraiment faire très attention. Je mettrai quelques images un petit peu hors piste, forêt, sentier. On va essayer de trouver un petit chemin de vache un petit peu bien dégueulasse, si j'y arrive, parce que bon, bah là, il fait pas trop mauvais depuis quelques jours, donc les terrains boueux, c'est un peu difficile à trouver. Sinon, quoi dire, bon, bah, vous avez toujours les roues Sienpad, parfait pour le confort. Vous avez des Clarkpad, parfait pour mettre les pieds. Et donc, la machine fait vraiment corps avec vous. Ah, il y a du monde. Salut les petits gars. Voilà, voilà. Allô, voilà, j'avais le même, mais on m'a piqué la deuxième roue, hein, comme vous pouvez voir. Donc en fait, la machine, vraiment, elle répond à tous vos besoins. Là, on la prend super bien, aucun souci. On va faire attention de ne pas racheter le poteau, j'ai l'impression qu'il y a déjà pris un tamouille. Elle répond vraiment impeccable. Bon, maintenant, il faut dire un truc aussi, c'est que j'ai rajouté, merci à Brandon, pour les crampons. C'est vraiment pratique, hein. Le pied accroche super bien. Déjà que je mets des... des DBS de skate, alors le tout là vraiment ça accroche, mais c'est super quoi dire d'autre. Bon, on va laisser passer des images, hein, maintenant. Bon, et là je suis un peu plus du tout sur un sentier, mais je m'en fous, j'ai un peu croche après tout. Oh, c'est quoi ça? Allez, c'est un parti beaucoup plus. Thank you.
Eh ben, elle m'a l'air pas mal cette pente. Ouh. Oh la vache. C'est comme je me casse la gueule, bordel! Yann! Wouhouhouhou! Franchement, ce pneu, waouh, avec la S18, c'est que du bonheur. Là, j'ai pas du tout reconnu le terrain, donc peut-être que la chute va arriver. Oh, oh, oh. Ouh. Et eh ben ma roue elle en est une. Voilà, 100 balles. Voilà. Attends, emballé, sur quoi j'ai chuté. Bon, je suis pas tombé, hein, j'ai glissé. Ça compte pas. Je sais pas, à mon avis, c'était un peu trop hard au niveau de la tension, pourtant je suis à 80% de batterie. Je sais pas. Putain, alors quand on voit, voilà ce que ça donne. Voilà sur le terrain sur lequel j'évolue. Ben ma foi, c'est pas si mal, hein. Elle assure ta pète, hein. Thank you.
Oh, qui s'accroche bien. Allez, des racines. Oui, oui, ça. C'est presque. CST 186, validé. Les dévers, pas de problème. Les stries, pas de problème. Les forêts, pas de problème. Les chemins de vache, pas de problème. Le mariage, pas de problème. Enfin, voilà quoi. La vie est belle.